Voilà. Là, la rivière qui fait peur. Pourquoi tu dis... Bah là, c'était plein étiage, quoi. Quand vous êtes passé, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans le... Là, c'est limite pour puiser de l'eau, quoi. Après, heureusement, il y a ces périodes, elles sont pas non plus très longues dans l'année, quoi. Est-ce que là, la situation qu'on voit à l'image, est-ce qu'elle a été suivie d'un arrêté préfectoral ou cette année c'était en... Oh ouais, je crois que ça rate jamais. Hein. Chaque année. De rien avoir un par année, ouais. Après, ben, en amont, on peut mettre des paillages en place, travailler plus la terre pour qu'elle retienne plus l'eau. Mais quand on a vraiment plus d'eau, ben, on fait des choix. On fait des choix. Ce qu'on voit, c'est pour pouvoir puiser l'eau dans la rivière, on a enfoncé un PVC sur lequel on a fait plein de trous, mis des galets autour, et ça nous permet de pouvoir... prendre de l'eau sans que la crépine soit noyée dans les alluvions parce qu'il y a eu un orage, parce que... Là, on est en train de remonter de l'eau et on est déjà... On essaye de rester au le bassin le plus haut possible. Tant qu'il y a de l'eau dans la rivière, on en remonte. Et qu'il n'y a pas d'interdiction, on stocke au maximum, quoi. Jamais être pris à défaut, quoi. C'est vraiment... une zone de... c'est du stockage, quoi. C'est l'intérêt du bassin, quoi. On voit le puits qui est relié, en fait, au bassin dans lequel on stocke 250-300 mètres cubes. Et notre réseau d'irrigation est mis en pression grâce à une pompe immergée. Et la pompe immergée, elle a besoin toujours d'une garde d'eau. Donc si on la mettait dans le bassin, ben, on aurait pu utiliser que la moitié du bassin. Donc c'est pour ça que j'ai fait un puits qui descend assez bas et qui est relié par un siphon au bassin et qui nous permet d'exploiter le bassin au maximum. D'accord. Et t'as pas de comment dire, d'autres alternatives? D'autres alternatives, d'autres ressources utilisées? Bah, on a creusé un petit puits dans le jardin, mais on remonte vraiment pas beaucoup d'eau. Mais effectivement, si... on ne peut plus piocher dans la rivière, dans celui-ci, il y a encore un peu d'eau. Mais après, non, on n'a pas d'autre alternative.